L'Espagne ferme le robinet de gaz algérien. C'est ainsi que titre le site d'information espagnol El Confidential son article sur ce changement important en termes de fournisseurs d'énergie. Les importations en provenance d'Algérie, principal fournisseur d'Espagne depuis des décennies, ont enregistré leur niveau le plus bas de l'histoire, d'après Cores, l'entité spécialisée dans l'industrie pétrolière et le gaz naturel en Espagne. Entre janvier et mars dernier, L'Espagne a reçu 20 251 gigawattheures de gaz naturel liquéfié américain contre 19 748 gigawattheures de gaz algérien, d'après Corres. Les Américains ont ainsi augmenté leurs ventes à Madrid de 467 au cours des deux derniers mois, alors que l'Algérie les a réduits à 30 Effectivement, l'effondrement du prix du gaz sur les marchés internationaux a poussé les entreprises espagnoles à importer du gaz des États-Unis et de la Russie via des navires à des prix bon marché et le coût de son transport est bien inférieur à celui du gaz importé d'Algérie via des pipelines. Pour le deuxième mois consécutif, les États-Unis dépassent l'Algérie en termes de gaz. Washington est devenu le premier importateur pour l'Espagne, détrônant ainsi l'Algérie, qui était son principal fournisseur. Une situation inédite pour l'économie algérienne, déjà en mauvaise posture et qui risque de broyer du noir, notamment sur le plan international, avec des inflexions géopolitiques et une myopie dans le futur des relations diplomatiques entre Alger et Madrid.